Et bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite du jeu de rythme. Aujourd'hui on continue le second passage dans certaines quêtes de série. Et du coup on reprend sur FF14 qui avait une OST de fou furieux. Et ça tombe bien, on en a beaucoup à faire ici. Il y a beaucoup de second passage ici, vraiment. Peut-être la dernière VOD second passage comme je disais sur Twitch. Oh, celle-là, je vais retourner... Bon, non, on va faire dans cet ordre-là, quand même. Cocu YouTube. Aïe, aïe, aïe. Oh, donc on a celle-ci à faire. Bon, on va expliquer la ref pour YouTube, hein. C'est juste que... Miel fait des fautes de frappe très, très drôles, des fois. Et au lieu de dire coucou à quelqu'un dans le chat, il lui a dit cocu. La nouvelle manière de dire bonjour. Là, on est d'accord qu'il y a... Ouais, il y en avait 15, c'est bon. Allez, bah go. Par contre, on se remet dans le bain avec une musique niveau 8, mais ils ok. Genre, on va pas commencer avec la musique la plus facile, mais... Je pense que je devrais aimer les autres musiques aussi. Hein. Parce que franchement, toutes celles qu'on a fait d'FF14, j'avais bien kiffé. Hein. Faut que je remette des équipes pour farm les gens, c'est vrai. J'ai pas fait. C'est aussi Rod level 99 pour les autres persos. Ça c'est une équipe que j'avais donnée à Dada pour tester le jeu. J'avais oublié. Oh, j'ai bien aimé la musique, très cool. Comment ça a parlé ou du out of context? Il a aimé, il a un peu galéré, c'est drôle. Disons que je me suis rendu compte que j'avais des facilités sur ce jeu. Et qu'il fallait que j'arrête de me plaindre quand j'avais le double S. Allez, changeons l'équipe. Merci Anto. Alors, niveau 97 ici. Hop. Bah du coup, dans l'ordre, hop. Voilà. Ouais, il y avait des petits trucs à changer, nickel. Alors... Ah, ici on en a deux à faire. Non mais faut que j'arrête de me plaindre quand même. Genre je me dis, ça se trouve, il y a des gens qui sont passés sur mon stream
qui m'ont entendu me plaindre d'avoir double S alors que eux faisaient genre peut-être B ou A et étaient contents. Et doivent se dire putain je suis une énorme merde. Enfin, je continuerai de me plaindre, je suis une femme, mais non. J'aime les clichés. Par contre, quand je prends des équipes comme ça, je me dis j'espère que leurs attaques elles sont bien. Hein. Ce serait con de faire un game over juste parce que je veux farm les autres persos. J'aime trop la musique. Par contre, heureusement que la session d'aujourd'hui risque d'être plus courte. Parce que j'ai pas dormi beaucoup et sur les jeux de rythme, vraiment c'est terrible. Hein. Pour se concentrer. Quand je suis en pleine forme, ça me prend toute mon énergie déjà de base. J'ai failli la rater. Ça va, ça va. Tout va bien. Ah parce qu'on... c'est Anto je crois qu'il avait pas compris pourquoi il y avait autant de trucs dans Out of Context et d'où ça venait et j'ai dit je crois que c'est toi en... qui a tout écrit en regardant les rediffs des streams de ce week-end. Hop, on peut déjà changer un perso qui est passé niveau 99. Et du coup, faire ce morceau là. Bon, niveau 4, ça devait aller. Et là, je vais me faire karma. J'ai peur parce que du coup, on va repasser sur les autres niveaux 9 ou 10, je sais plus, qui m'ont posé difficulté la dernière fois. Qui m'ont causé mon premier game over la dernière fois. Je pense que là je mettrai ma best team quand même.
non, j'en ai raté un. La dernière en plus. Terrible. Nora Triple S, mais pas la chaîne parfaite. RIP. Ok, on a un nouveau niveau 99, let's go. Hop. Du coup, on enlève Tidus. Ce qui est bien, c'est que sans faire exprès, encore une fois, on va mettre un perso de FF14 sur la playlist FF14, ça c'est beau. Ça... Le hasard a toujours bien fait les choses dans le jeu, vraiment. Ok, là on a fait, là aussi... Ici. Oh, je crois que je vous l'avais passé en playlist FF14 à un moment, en début de stream celle-là. Ça me parle. Que du coup, pendant un moment, j'avais cherché des playlists d'OST d'FF14, tellement je kiffe. J'adore cette musique. En vrai, vous pouvez continuer encore un peu la musique, j'aime bien. Trop trop bien celle-là. Alors, ça c'est fait. Ici, on en a une autre. Oh non, vous avez vu, les déclencheurs se déplacent très vite. Pour une fois, je le vois avant de lancer. Eh, c'est le moment de pas s'endormir là. Là, faut rester vif. Oh, ça va être dur. Je passe en forme pour ça. Hein.
À l'aide, à l'aide, à l'aide. Je crois que je me trompe de sens des flèches, hein. Là, je vois flou. Je vois flou, ça va trop vite. Trop fatigué pour ça. À l'aide. Ok, là. Ah, c'est dur. Là, c'est bien, là. Non. C'est bientôt fini? Je suis à la moitié, putain, à l'aide. Oh, j'ai failli le rater. Oh, putain. J'ai cru que j'allais bégayer là. Non, la vocation, je vois rien. En vrai, même là, c'est dommage qu'il n'y ait pas la webcam parce que j'ai une tête à mon avis. En mode. Vu le nombre de points, c'est bientôt fini. Ouais, c'est fini. Il y a juste milieu car trop vite, c'est pas bien en plus. Faut être plus attentif. Ah ouais, non mais de fou. Oh putain. Ça va me paraître si lent d'un coup après alors que ça va juste redevenir normal. Après, quand ils font les trucs comme ça avec les déclencheurs, je préfère que quand ça se déplace vite que lentement par contre. Je trouve ça beaucoup plus dur lentement. Ok, celle-ci. Oh là là, masterclass aussi celle-là. Ah, parce que tu peux écrire les petits pois plus loin sont au rouge. Comme en haut, mais pas écrit de la même manière. Pour la blague, parce que YouTube va se demander de quoi je parle, mais c'est à cause du bot qui fait des blagues. Ouais, après j'ai pas dit que c'était bien quoi, mais effectivement c'est nul, mais voilà, t'as l'explication quoi. Ouais, vraiment, j'ai l'impression que c'est lent maintenant, du coup j'appuie trop vite ou trop tard.
sympa aussi cette musique, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je profitais pour mettre mon gilet entre deux musiques par contre parce que j'ai froid sa mère. Hop. Personne niveau... Non, on a le temps avant d'avoir des nouveaux niveaux 99 là. J'aurai pas tous les persos niveau 99 de toute façon, c'est sûr. Hop. Allez, les morceaux suivants. On en a combien là? Oh là, on y en manque plus tant que ça finalement. Ça va vite quand même sur cette quête là. Alors ils sont où? Il y en a un là. Niveau 8. Et merci à Yuli pour le follow, pour le raid, pardon, pour le raid, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. J'espère que ton stream s'est bien passé également. Et coucou à toi, comment ça va? T'étais sur quel jeu du coup de ton côté? Peut-être sur le même jeu ou peut-être rien à voir du coup. Merci pour le follow, merci beaucoup. Je me trompe pas cette fois. Putain, mais l'OST d'FF14, vraiment c'est... J'adore. C'est dommage que ce soit vraiment pas mon style de jeu. Parce que l'OST est dingue par contre, j'aime vraiment beaucoup. Hein. Une seule musique d'FF14 pour l'instant où j'ai dit moi j'aime pas. Vraiment c'est trop hein. Tant mieux hein. Mais pour les deux FF Online en vrai parce que la quête de série FF11 la musique était incroyable aussi hein. Ah bah du coup le même jeu plus FF14, let's go, let's go, let's go. Ce sera peut-être ma dernière session dessus parce qu'on a quand même avancé. On a quasiment tout fait dessus. En fait, là, je repasse une deuxième fois parce que la première fois, j'avais pas fait tous les morceaux. Je faisais vraiment un trajet unique et voilà. Et il nous reste les cinématiques aussi à faire après, tout ce qui est en format cinématique. Je viens d'y penser, mais faire jouer Dario au jeu The God Simulator comme ça, on peut pas dire qu'il est pas le God. Non mais. Oh mes gars! Moi j'ai eu beaucoup de mal à lancer sur FF14, mais la commu est tellement gentille, je me suis fait embrigader. Non mais j'avoue que la commu d'FF14 a l'air incroyable. Mais ouais, l'OST. L'OST c'est une dinguerie, vraiment trop bien. Après l'OST des FF de manière générale, elles sont très bien. Il y en a quelques-unes que j'aime un peu moins. FF12 par exemple, l'OST j'accroche beaucoup moins tout ça. Mais de manière générale, leurs OST elles sont incroyables. Ah, on en a deux à faire ici. On va commencer avec celle-là. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait un format balade en plus. Contrairement à celle du 10-2 et tous. Ouais, le 10-2 aussi, c'est particulier, quoi. C'est un autre style, faut aimer. Après, il y en a qui aiment, hein, les goûts, les couleurs, tout ça. Mais ouais. Après on a eu le SQ Chocobo qui était particulier aussi, que je vous ai mis en intro de live. Ça je m'y attendais pas, c'était ma plus grande surprise niveau découverte de OSTFF. Oh là, je vais me planter.
Bon, prochain FF, maintenant, on attend février. Hein. On a fini le 16 il y a pas longtemps. On a refait le remake partie 1 il y a pas longtemps. Maintenant, on attendra février pour la partie 2. Sur YouTube, ce qui va remplacer le jeu de rythme, ça va être l'aventure avec Dada, justement, sur It Takes Two. Puis après, Tales of Arise, le DLC, je sais pas du tout ce que je ferai, je sais pas encore. Je vous avoue que j'y ai pas trop réfléchi encore. On repart sur Nier Automata, Nier Replicant, allez, let's go, non. Je suis trop relou avec ça. Mario Wonder et Sonic Superstars dans les récents, donc ouais, je sais pas quoi. Hein. Après, il y a un Mario RPG qui sort, mais je comptais pas me le prendre Day One. Ou je sais pas. Il y a des OST, franchement, elles sont particulières de ouf. Hein. Par contre, c'est soit banger, soit en mode bizarre. Pas encore fait, FF7, je me garde au chaud. Ah, et franchement, j'ai adoré. Peut-être au début, la mise en place peut-être un peu longue. Mais après, dans l'ensemble, vraiment, j'ai vraiment apprécié cet opus-là. Ah, exploit réussi, 500 niveaux musicaux joués. Tant que ça, déjà. Et coucou Poussette, comment ça va? Mais ouais, FF16, incroyable. Je sais pas si t'as fait, du coup, sur le jeu de rythme, le DLC FF16. Ou si, du coup, tu ne spoil pas les musiques non plus. Mais même les musiques, elles sont vraiment incroyables. Ok, une autre balade. OMG, une quête niveau 1 encore. J'avais pas vu que c'était une quête niveau 1. J'ai fait les musiques vraiment trop bien. Ah ouais, l'OST des FF16 était vraiment très cool aussi. Hein. Voilà, pour ceux qui rejoignent, je joue pas forcément mon équipe favorite, c'est juste que je m'amuse vu que je repasse un coup sur les autres morceaux à level up les autres persos en fait. Allez, level up au niveau 99 aussi. Est-ce que ce serait pas le moment de refaire FF15 en édition royale après Tales of? Quel enfer. J'ai raté plein de trucs dans FF15, moi j'avais fini avant qu'ils ajoutent plein de trucs. Je l'avais un peu rush Day One, donc j'ai raté les ajouts. De sens. J'ai bien aimé ce morceau-là aussi.
Je l'ai trouvé à 30 boules d'occasion FF16. Oh, let's go! Dans un Leclerc d'occasion. Oh, c'est cool ça! Donc, ça vaut le coup de ouf. T'as d'autres bons plans comme ça, je prendrais, j'avoue, le bon plan de fou. Et coucou Roxas, comment ça va? Je vous laisse bon stream. Ça marche, Ayoli? Merci beaucoup pour le raid encore et pour le follow. Merci d'être passé. Des bisous à toi. Oh, bon, on a fini FF14. OMG. Ah bah oui, c'était le début. Bah allez. Merci d'avoir fait découvrir le jeu, mais avec plaisir. OMG, FF15. En parlant d'FF15 juste avant, c'est le destin. Ça veut dire que je dois faire FF15 après Tales of. C'est le destin, hein. Alors, il nous restait quoi? Elles sont là. On en a deux ici. J'ai pas trop m'en rappeler de celle-là, si c'est l'épisode prompto, j'avoue. J'ai cours à plus tard. Ça marche, Roxas. Bah, bon courage pour les cours. Je suis à la fin là, de FF15 édition royale. Non, mais en vrai, je rigole, mais il faudrait vraiment que je le refasse. Bah, pour voir tout ce qui a été ajouté et que j'ai pas connu, du coup. Je préfère les DLC, je pense. Ah, je t'avoue que si je refais FF15, je refais pas les DLC, par contre, un flemme. Autant le jeu, j'avais aimé, quand même. Autant les DLC, vraiment, j'étais en mode rompiche, hein. Qu'ils étaient inintéressants les DLC, mais enfin, tu sens que c'était vraiment pour avoir du pognon, quoi. Et merci Dylan pour le raid, merci beaucoup. J'espère que ton stream s'est bien passé. Oh, va falloir que je change de lurk. Dylan, j'ai rigolé hier avec Dario parce que j'étais en lurk chez toi. Et à chaque fois qu'on passait sur ta POV, genre pour que je check vite fait le chat, pour récupérer mes points de chaîne, tout ça. À chaque fois tu te prenais une dinguerie au moment où je passais sur ta POV. J'étais en mode, je vais arrêter de regarder, je vais arrêter de lui porter la poisse en fait. Et à un moment t'étais dans l'écran des choix de map. Je me suis dit, bah là il peut pas se prendre de dinguerie. Et au moment où je me dis ça tombe sur BMG dans les votes. Et j'étais en mode, ah, même comme ça en fait. C'était assez drôle les timings, vraiment. Ah, j'étais en l'heure que depuis tout à l'heure et t'as fait un jeu, genre je connaissais pas le Smash Football là, Mario Smash Football, un truc comme ça. Comme putain, je connaissais pas ça. Je me rappelle pas du tout cette musique, hein. Vraiment le DLC m'a pas marqué. La musique est belle, hein. Mais c'est vraiment preuve que le DLC m'a pas du tout marqué. Du coup, je m'avais dit quoi? Un peu rude, mais ça va. Je dois être proche des 5900 à force. Ah ouais? J'ai grandi aussi sur ce jeu avec ma soeur. Ah, ok. Ça me disait rien du tout, j'étais en mode, oh, c'est quoi ça? Mais ça avait l'air cool comme jeu, en vrai. Je vais changer mon leurre du coup.
Voilà. Niveau level, on n'est pas encore dans les level 99 là. Beaucoup ont connu l'opus sur Wii. Ah ouais, ok. Oh, celle-là me dit un truc. Trop bien la musique. C'est pas narcissique au point de te lurker toi-même, non, pas vraiment. Hein. Ah, il est 14h, je dois lancer mon stream. Oh my god, tout à l'heure. Tu ne veux pas lancer à 14h? Trop bien cette musique. Oh, j'ai déjà eu cette blague, je me rappelle. Ouais, j'ai lu la blague en même temps, mais... Là, il y a un monde où je me laisse vraiment retenter par FF15, hein. Le talent. Il y avait un petit moment de répit, je me suis dit vas-y, je vais regarder la vanne du bot. Ah, c'est l'OST qui va me donner envie de rejouer au jeu, hein, sérieux. J'ai raté la note. C'était fourbe les flèches, hein, l'essence dans lesquelles ça allait. Hein. Franchement, j'ai failli bégayer de ouf. Hein. Je vous avoue, j'ai failli me tromper plus d'une fois. On a le rang triplette, mais pas trop d'avance. Hein. Faut dire Dolirum. Ah, j'ai la ref. Franchement, si cette blague était tombée pendant Tales of, ça aurait été incroyable, hein. Vraiment. Par contre, au 5D Square Enix, genre dans la zone finale, t'as un monstre niveau 74, j'étais en mode au secours alors que j'étais au niveau 50. En vrai, c'est pas pire que Tales of là-dessus. Hein. Mais après, c'est Square Enix tout court, tu me diras, ouais. Mais parce que vraiment, dans Tales of... Quand dès le début du jeu, t'as un ennemi niveau 80 à côté de toi et que t'es niveau 10, t'es en mode ok.
Vas-y, je tente. Sur un malentendu, ça passe. Mais même Xenoblade, en fait. Hein. T'as des zones où t'es en mode... En mode, je me barre. Je me fais tout petit. J'ai la ref. Ils aiment bien faire ça. Puis nous, on est cons, tu vois. Nous, on aime bien se dire, vas-y, je tente quand même pour voir. Genre la curiosité. Et voilà. Et jamais ça passe, hein. Mais. On rappelle le vrai boss de fin de Dragon Quest 11. Oh putain, mais vraiment, ça c'était une dinguerie. Il était franchement incroyable. Hein. C'est. Pas incroyable maintenant que j'ai fini le jeu il y a longtemps, tu vois. Ça, c'est un jeu que j'aimerais bien refaire à l'occasion, n'empêche. Juste comme ça, chill en live ou quoi. Je l'avais vraiment bien aimé quand même. Cool, l'OST. J'ai pas du tout tenté, ouais, la grosse tortue level 90, c'est un truc, ouais. Dans FF15, en étant pas level. Bon, on fait tout ça. Je pense qu'on fait tout ça, vraiment. Parce que t'es curieux de voir quand même ce que t'arriverais à lui enlever comme vie, tout ça, combien de temps t'as envie de... Tu peux résister, combien... Il y a toujours cette curiosité, tu vois. Mais ouais, je sais pas. Enfin, dans beaucoup de jeux, ils aiment bien faire ça. Dans Tales of, dans FF, dans Xenoblade, je sais pas. Ouais. Dans 93-92, le niveau... Ok, ok, ça va. Mais ouais, c'est... En fait, je le garde dans un coin de ma tête. Est-ce qu'on ferait pas FF15 après Tales of, du coup, après le DLC? Donc, j'ai pas d'idée de jeu que je voudrais faire. Bon, Mario RPG, j'aurais pu faire Day One, mais franchement, niveau achat, bon, ça va être les cadeaux de Noël avant tout, donc voilà.
Voilà. Le pire, c'est que j'ai pas gagné, il lui restait plus beaucoup de vie, certes. Le fight dure plusieurs heures, mais ok. Oh, le niveau de patience. Mais justement, c'est ça le pire. Mais moi, ça m'arrivait dans Xenoblade, ça. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais un peu plus d'une heure pour tenter un boss plus haut level que moi. Et du coup, tu te dis, t'en aurais fait d'autres au niveau farm, ça aurait été plus vite, en fait. T'aurais eu plus d'XP, mais bon, t'as envie de tenter. Et je l'avais presque tué, hein. Vraiment, je lui mettais encore genre 3 coups, il était mort, et il m'a tué. Et j'avais un seum. Mais un seum, mais phénoménal. D'avoir combattu plus d'une heure pour avoir 0 XP et mourir alors qu'il lui restait 3 PV. Vraiment. Et coucou Yanis, comment tu vas? Oh mais le seum que j'avais eu. Ah bah ils sont ici les derniers morceaux. Allez. Bon on fait aller tout doucement. On finit au second passage sur les quêtes de série. Petit mode cinématique qui nous attend après. Puis peut-être tester l'Endless World aussi. J'avais trop peur de me rater. Bah voilà. Trop bien cette musique. Trop trop bien. En sachant que c'était mon dernier fight dans tout FF15 car j'avais la flemme de faire les donjons restants mais perdre plusieurs heures sur un super boss, let's go. Et ça marche Omega. Allez, celui-ci. Oh, je m'en souviens de celui-là. Putain, l'idée dans ma tête de refaire FF15 se fait de plus en plus présente. Bon, on aura enchaîné beaucoup de FF en ce moment.
Ah, je me souviens d'une zone dans le jeu où j'arrêtais pas de me perdre par contre. Ça va arriver à nouveau si je le refais? Non. Et je crois qu'on a fini FF15 du coup là. Ouais. Bah let's go. Ici, il y avait déjà... C'était déjà complet les niveaux réussis. Là, il y en manque un. Ok, il y en a un à faire ici. Alors, ils sont où? Enfin, il est où plutôt? C'est celui-là. On a deux persos qu'on va changer dans l'équipe en même temps, quasiment, là. J'ai besoin de revenir sur des morceaux que je connais pas du coup. Peut-être tactique, j'ai jamais fait. Je pense que ça pourrait me plaire en plus. Ça doit pas être sur des consoles récentes donc ce sera facile d'y jouer sur émulateur pour le coup. Ils n'ont pas envie de rallumer mes vieilles consoles. Flemme. Bon, sympa quand même le morceau. Ah bah voilà, c'est au niveau 99. Parfait. Et donc on a tout complété ici, je pense aussi. Ouais, 7 sur 7, ok. Bon, les quêtes aussi, je veux les compléter à fond, je le ferai plus de mon côté, ça. Ou alors un stream pour chill sur le jeu, mais... Là, 7 sur 7 aussi. Ah, 13 sur 20, ok. Ah putain! C'était pas là que j'avais douillé. Non, c'était là que j'avais douillé. Bah après, là, c'est niveau 9. Bah non, c'est peut-être là, en fait. Hein. On va niveau 9. Bon, on va voir. En tout cas, on va changer l'équipe ici. On arrive à ces persos-là. Hop. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Donc là, il nous en reste 7 à faire. De toute façon, dès que je vois Carnival, on sait que c'est là que je galère. C'est traumatisé. Ah, ici, il y en a deux déjà. Ça, ça va. C'est pas écrit. Non, ça doit être l'autre, ouais. Hein. Thank you.
Ah, par contre, peut-être qu'en mars, pour fêter les 4 ans d'affiliation, je referai un Dissidia. Donc c'était par ça que j'avais commencé au tout début. En let's play. C'est beau. Et aussi, j'ai envie de rejouer à Dissidia, j'avoue. Par contre, j'ai beau avoir adoré Dissidia, les musiques, c'est vrai que je m'en souvenais trop. En même temps, ça fait longtemps. Hein. Allez, le suivant. On a un endroit chu, je crois. Il y avait 3 morceaux. Ouais. C'est bien ça. Celui-ci. Trop bien la musique. Hein. Elle était trop bien cette musique. Bon, en même temps, j'ai quoi ? Arrangement FF14, évidemment. Vraiment, c'est dingue. Hein. L'OST de fou ce jeu. Alors ensuite, ah bah, il y en a encore 2 ici, nickel.
Ah, je repense au morceau qui me fait peur après là. Ouais, je pense à ça en même temps que je fais ce morceau là, mais. Mais je vous dis, je crois que c'était Genova en plus, hein, le thème de Genova. Hein. Allez, donc, ça va être compliqué. Hein. Je redoute le moment où on va arriver là-bas. Allez, le morceau à côté. Niveau 9. Ok. Arrangement F6. Allez. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup ce mix. Ah, ça commence à passer dans les levels 90. Alors, il nous reste quoi? Il nous en reste 3. Il y en a un ici. Ah, pour l'opus Dissidia 012, let's go! Il était très sympa aussi celui-là de mémoire. Thank you.
Ah, je commence à avoir du mal à me concentrer. Et je me dis en mode cinématique après. Avec les cinématiques qui défilent derrière et tout, niveau concentration, ça va être compliqué. Hein. Alors, il en reste deux. Pas ici. Ah, bah les deux sont là. Bon, celui-là, on le connaît bien, le morceau. Ça, il level up pas vite, hein. J'entends qu'on n'a pas changé quelqu'un dans l'équipe, là. Et on a celui-ci. FF9, ok. Bah allez. Du coup, ce sera bon pour Dissidia et je pense qu'on va arriver au morceau qui me fait le plus peur.
très sympa ce comics. Et coucou Picon, j'espère que tu vas bien. J'arrive sur GFF9, let's go, j'avoue le timing. Et merci Pico. Bon, la VOD sera peut-être un peu plus longue pour une VOD second passage, mais pas beaucoup plus longue non plus. Parce qu'on est déjà 1h20 de VOD, mais l'air de rien, il reste pas tant de morceaux que ça à faire. Après, ça dépend le nombre de game over que je fais sur l'autre, là-bas. Bon, du coup, là, on a fait les 20 morceaux sur 20 morceaux. Ah, il en reste un sur type 0. Let's go! Qu'est-ce que j'aime l'OST de ce jeu. Je le répéterai jamais assez. C'est lequel qu'il nous faut? Allez, on refait celui-là parce que... parce que j'adore. Ah, il est ici. Une petite balade en plus. Sur ce second passage-là, on n'en a pas fait beaucoup des balades, vraiment. Une compétence. Allez, ce morceau-là, c'est good. Bon, type 0, ça aurait été un deuxième passage éclair, hein, mais il y avait un seul morceau. Je connaissais pas les coups. Ouais, elle est très cool. Hein. Très très cool. Ah, ou alors je pourrais faire FF type 0. Non, la meuf. Ensuite, on en était où? Bah là, hein. J'ai peur. Ouais, elle sera plus longue la VOD, effectivement. On approchera peut-être plus les 2 heures quand même. Bah, peut-être pas, hein, mais. Oh bah! Elle est là direct en plus, hein. Oh. Alors, je vais changer d'équipe. Ouais, elle peut pas prendre trop de risques, hein. Enfin, le moins possible en tout cas. À l'aide. Wouah. Toi tu vas me soigner très souvent parce que voilà j'ai décidé. Et on prie. Celle-là nous a fait galérer. Mon premier game over c'était ça. On l'a fait 3 tries dessus. Et ça c'est le même style. C'est All Star Carnival et niveau 10 aussi. J'ai peur. Aeris, sors-moi tes plus beaux soins rapidement, s'il te plaît.
Bon, on a la bonne équipe, je trouve, face à ça. Ça a l'air d'aller pour l'instant, mais j'ai peur de me porter la poisse. Hein. Après, c'est peut-être moins fourbe que l'autre, ça veut pas dire, hein, mais bon. Je me méfie. Hein. Après, la première fois que je fais un morceau comme ça, j'avais pas mon équipe niveau 99 ni un bon poignard, mais. OMG. OMG le first try. Pouf, faudrait peut-être refaire l'autre avec l'équipe là pour voir. Non. pour voir. Pouf, c'était le morceau qui me faisait le plus flipper, hein, vraiment, depuis la dernière fois. On avait game over sur un truc comme ça. C'était vraiment le passage qui me faisait le plus flipper, mais ça va du coup. Pouf. Bon, on peut changer d'équipe peut-être. Hein. Il manque quoi ici? Ouais, c'est niveau 5 là. Allez, on va recontinuer notre farm en même temps. Mais je serais quand même curieuse de recommencer du coup avec... Avec l'équipe là, l'autre. Pour voir si je galère moins. Bon, à partir de là, ça devrait aller du coup. Ça a l'air plus dur, alors que c'est niveau 4, 5. Bon, c'est parce que je me suis relâchée du coup en mode c'est bon, c'est plus facile. J'ai peur d'en faire un trop ou un de moins en fait et de faire une chaîne brisée, c'est terrible.
Bah, fallait que ça arrive, hein. Je trouve ça plus dur que le morceau d'avant, alors que le morceau d'avant était niveau 10. On n'aura pas le triple S en plus. Terrible. Terrible. Sniff. Alors, il en reste 3, il y en a déjà 2 ici. OMG. Oh non, c'est niveau 10. Et c'est un truc carnivore. Bon, vas-y, je tente avec cette équipe-là quand même. Mais j'y vais pas du tout sereine. Pourquoi? En vrai, est-ce que c'est pas le moment de tester le mode auto du jeu? Non. Quel enfer. J'ai pas assez de concentration pour ces conneries. Ah, c'est dur, hein. Et à la fin, j'ai cru que j'avais bégayé. Bon, ça va, j'ai pu conserver cette équipe-là. Je pense qu'il va passer niveau 99. 98 ans, mais vraiment pour me casser les couilles, hein. Terrible. Je crois que c'est encore un niveau 10, là. Après, ouais, oh là là. Oh là là. Oh mais elle est trop bien cette musique en plus. J'ai pas envie de souffrir dessus genre. Ah
La quête, c'est réussir sans subir d'attaque ennemie. Alors. Merde. Non. Oh non, je suis deg. Le triple S, mais pas la chaîne parfaite, ça dégoûte. Et le pire, c'est que j'étais bien partie pour la quête. Hein. C'est dommage. Allez, on change un membre de l'équipe. Ouais, par contre. Hop, on va faire ça. Voilà. Il reste un morceau à faire ici. Alors, il est où? Il est là. Au niveau 5. Et je vais plus dire. Ouah, Isoka, du coup, on sait jamais, mais. Vu que le niveau 5 de tout à l'heure m'a paru plus dur que le niveau 10, mais... OMG, Pico de niveau 100 tout pile. Ça va, il était simple.
ça va, ça va. Et je crois qu'on a fini cette quête de série là. Enfin, qu'on a fait tous les morceaux en tout cas. Wep. Il nous reste quoi du coup? Là, il y en a deux ici, ok. Bah go. Sur Record Keeper. Ah, il y en a un ici. J'allais dire, je connais ça. C'est dans Type 0, mais oui. OMG. Ok, plaisir. Ça faisait partie de chansons que j'avais appris par cœur dans l'OST des peuples. Hein. Je préfère l'original, mais j'aime bien comme ça aussi. Ce que j'aime cette musique, vraiment, c'est incroyable. Perso niveau 99, let's go! Un de plus! Hop! On voit le switch. J'en avais skip 1, voilà. Bon, il en reste un à faire du coup, il est ici! Oh bah, let's go. Très bon morceau aussi.
toujours aussi cool ce morceau. Le remix c'est pas mal. Bon du coup on a fini cette quête de série aussi en termes de morceaux bien sûr. Précise les morceaux parce qu'on n'a pas complété toutes les quêtes. Ouais, 8 sur 8, let's go! Qu'est-ce qu'il nous en reste? Là, 5 sur 5, on avait tout fait. Ah, 9 sur 11, et là, 5 sur 5. Ah, bah, c'est les derniers morceaux ici. On arrive sur les derniers morceaux. Donc, celui-ci, OMG. Oh, c'est un truc qui va vite, j'avais pas vu. Oh putain. Oh, tu parles d'une balade. Oh putain, ça réveille, hein. En plus, il est long le morceau, il faut rester concentré très longtemps là. À la vitesse où ça va, c'est dur. J'avais peur de rater une note à la fin. Ça va. Mais du coup, ce sera le dernier morceau, je crois. Ouais, le dernier. Il en reste un. Et il est là. OMG.
Est-ce que c'est pas parfait pour terminer entre les mogs et les chocobos? Moi, je trouve que c'est une belle fin. La fin d'une aventure. Bon, à la fin du second passage, après on va faire le mode cinématique. Je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à me concentrer avec les cinématiques qui défilent à l'arrière. Je sais pas pourquoi, mais je verrais bien cette musique dans un dessin animé genre Titi et Gros Minet ou Tom et Jerry, quoi. Bah, je suis sortie des rêves très vieilles, hein, mais... D'ouf, on est d'accord, il y a un truc, hein. Voilà. Incroyable. Je trouve ça dommage que le thème des mocs soit pas autant utilisé que comparé au chocobo. Mais de ouf, parce qu'il est trop bien aussi. J'aime trop aussi, vraiment. Bah voilà, on aura complété absolument tous les morceaux par contre. Ça, c'est cool. Voilà, niveau réussi, 11 sur 11. Bah c'est beau. C'est beau tout ça. On va vérifier un tour, hein. Bon, on va commencer par la fin, on va vérifier. Ouais, ça c'est bon. Il en manque nulle part, on n'a pas oublié un morceau. Non, on n'a rien oublié. Bah voilà, c'est beau. C'est très beau. Et vous voyez, on a fait tous les morceaux, mais on n'a fait que 55% du jeu parce que bah, on n'a pas fait toutes les quêtes, en fait, surtout. Du coup, voilà. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Bon, en tout cas, pour la vidéo YouTube, c'est là qu'on va se laisser. Prochaine vidéo, ben, soit vous aurez le droit aux cinématiques aussi, si YouTube est pas trop chiant. Soit ce sera l'Endless World pour terminer. On verra bien. Soit les deux, du coup. mais ça, on verra. On verra si YouTube est gentil ou pas. Et donc, je vous fais des bisous YouTube.